Voilà, on est prêt. On s'en va voir l'éclipse solaire du 10 juin 2021. Fait qu'on s'en va à Saint-Constant sur les terres agricoles, sur une butte, et on va rejoindre nos amis là-bas. Allons-y. Je peux pas répondre. Je suis arrivé en retard un petit peu. Fait que... Allez, ça, c'est mon quartier à Verdun. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça le chemin. Ok. Ouais, c'est voilà le chemin. 4h26. Je suis correct. L'éclipse, c'est pas avant 5 heures. Ouais? Ton compteur en haut, là. Ah, my God, ouais. Ok. Fait qu'on se met... Tu te mets où, Daniel? Tu te mets là? Moi, je me mets dans le coin. Ok. Hey, y'a-tu quelqu'un? Y'a un 10 cents? Oh, ça marche. Ouais, ça marche. Un couteau à steak. Un couteau? Ouais. Faut ouvrir ça? Ouais, c'est ouais. Ici, je vous présente Daniel Boisvert Couture. Salut Daniel, ça va bien? Non, il y a un jambon qui a mis le pied dedans. Une boîte de Monopoly pauvre. Hein? Fait que, à tout à l'heure. Ok. Ouais, je pense que ça va être mieux là-bas. Le petit pont est en arrière de ton char, je pense. Ah, oh boy. Ok, fait qu'on change un petit peu de place pour avoir une meilleure vue, absolument. Absolument. Ok. Ouais, ça c'est mieux. Je suis désolé pour le fermier, je vais faire attention. Ah, c'est du foin, ok. Daniel, si ça te tente, ici t'as plus de view. Je vais juste faire mon focus. En ce moment, la partie supérieure du soleil se trouve pas mal égale à l'horizon. Fait que juste derrière la toute petite couche d'arbres, si on veut. Fait que d'ici, ça fait que d'ici 5-10 minutes, on devrait commencer à voir le soleil apparaître au-dessus de notre ligne de vue, là, de notre horizon réel. Là. Michel est là-bas. Il va observer le soleil au travers de son Nexstar 6. Schmidt casse-grain 6 pouces avec un filtre solaire. Le soleil est élevé, là. Ouais, ben il est comme égal à l'horizon, mais comme tu vois, on a quelques nuages, là, ça va passer au travers des nuages.
Il s'est organisé un système pour attacher son filtre. C'est comme un selfie, c'est comme un selfie stick aussi. Tu peux regarder le soleil, là. Puis t'as quand même tout le paysage. Ben oui! T'as juste le soleil qui est caché par le filtre. Ah, tu me niaises? Ben non, mais non, parce que c'est ça, c'est au loin, fait que je pourrais l'aligner sur le soleil. Ben oui! Puis juste avoir... puis j'aurais tout le paysage à l'échelle. On c'est l'essayera. Bon, j'aime ça, c'est de l'imagination, de la créativité, hein? Oui. Et ça commence. En fait, bon, je vais commencer à filmer. Ça dure combien de temps? L'éclipse est déjà en cours, puis à 5h40, là, elle va être à son plus plein. Là. Elle va être à 85%, ou si t'étais à coup de joie, qu'elle serait annulaire. Là, ok, ok. Mais, ouais, 5h40, mais après ça, de 5h40 jusqu'à à peu près 6h40, elle va s'enlever. Ok. Elle va okay. se tasser. Fait que. Tu sais, à 6h30, probablement qu'on le verra plus à l'œil, mais qu'au télescope, tu vas voir encore que le coin est caché, là. Ok, je comprends. Tiens! Un cadeau. Ok? Ça, c'est quand, à un moment donné, c'est intense, t'as pas le choix, là. Tiens! Ok? OK. Puis ici, comment ça se passe ici? C'est pas pire. OK, puis là, le lunt. Faut faire attention. Qu'est-ce que c'est? OK, je l'ai. L'as-tu avec ton lunt, ça marche pas? Oui. Il y a eu une bonne, là. Pis ça va bien? Ça marche bien, Daniel? Ben, je pense bien, là. Je sais pas comment l'intervalomètre Canon marche, parce que moi, je suis avec Nikon, mais je le fais manuellement. Je devrais avoir un beau timelapse, là, de... ou un GIF ou quelque chose qui bouge. Cool. Je dis, j'ai une belle prise de l'éclipse, mais là, le soleil s'est caché derrière une petite bande de nuages, là, horizontale, là. Mais ça a l'air d'être plus mince en haut, les nuages, donc pour le maximum de l'éclipse, on devrait être pas trop au pire. Quand est-ce que l'éclipse va atteindre son maximum? Donc l'éclipse va atteindre son maximum, c'est-à-dire 85% couvert, visible de la région de Montréal, à 5h40, puis l'éclipse va se terminer vers 6h40 ici. Et présentement, il est quelle heure? Je sais pas, parce que ma montre est sur chronomètre, puis je sais pas comment utiliser l'intervalomètre, donc... C'est ça, puis moi, mon téléphone, il est en train de filmer, j'ai pas l'heure non plus. Ah ouais, c'est beau, hein, Chris, hein? Wow, hein? Et ça marche? Ben ouais, ça fait des beaux petits croissants. Nice. J'en prends une aux 10 secondes, puis on va faire une petite animation avec ça. Il y a à peu près 20 minutes pour passer le maximum. Mais ça fait bizarre, je regarde la caméra, mais je vois rien. Merci d'avoir été des nôtres pour ce merveilleux événement de l'éclipse solaire à 85%. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Restez à l'écoute et à l'affût des prochaines capsules d'AstroVega. Abonnez-vous. Merci et à la prochaine.